Bonjour, est-ce qu'il faut avoir un laboratoire quand on a un food truck? Ça, c'est une question qui peut être intéressante. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de réponses différentes. Oui, non, on va voir ce que ça dépend. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, cette question, elle est intéressante. Alors voilà, en fin de compte, ça va dépendre de pas mal de choses. C'est vrai que si vous fabriquez votre gelato, eh bien à ce moment-là, ouais, vous allez avoir besoin d'un labo. Parce que votre camion food truck, à moins que vous l'équipiez en laboratoire, mais voilà, je pense pas que ça soit ça, la corrompe. Parce que votre mix à glace qui tourne, machin, vous pouvez pas le... Je veux dire par là que votre mix à glace, si dans votre pasteurisateur, vous avez un pasteurisateur dedans et que vous roulez, ben du coup, ça va remettre partout. Vous voyez, ces petits trucs comme ça qui font que... Ben alors du coup, si on fabrique de la glace, on a besoin d'un labo pour pouvoir fabriquer sa glace. Mais si on fait que vendre sa glace, on n'a besoin de rien, d'accord? La vente, c'est juste des chambres froides. Vous avez des chambres froides chez vous, vous les mettez dedans. Ou alors, votre camion à glace, il est constamment allumé. Du coup, ben, vous laissez dedans dans votre congélateur, ben, vos bacs de glace, d'accord? Il n'y aura besoin de rien. Si vous avez de la soupe dedans, ben, du coup, ben, pareil, vous mettez dans votre frigo, il n'y a pas de problème. Du coup, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de laboratoire, d'accord? Le laboratoire, c'est seulement quand vous allez fabriquer votre glace, quand vous allez faire la préparation. Si vous achetez un produit qui est tout fait, que vous le mettez dedans, il n'y a pas besoin de laboratoire. Si vous utilisez le système des poudres, d'accord, avec l'UHT, normalement, il n'y a pas besoin de laboratoire non plus, d'accord? Voilà, il existe des mix à froid, des préparations toutes prêtes pour quelque chose qu'on va manger en produit frais, du coup, il n'y a pas besoin de laboratoire. Le laboratoire, c'est vraiment adapté à la vraie fabrication, d'accord? Vous avez des fruits, vous les broyez, vous les nettoyez, vous les machins, vous faites votre lait, voilà, tous ces trucs-là, tout ce qu'on fait, voilà, comme j'ai fait quand je fais des vidéos, ben là, oui, d'accord? Mais si c'est pour ouvrir un paquet de produits et le mettre dans sa machine, il n'y a pas besoin. Voilà, j'espère ce titre, je vais répondre à cette question. Ben, je vous remercie de l'avoir posée. Hein. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis ben, à demain pour une prochaine vidéo.